Hey guys, this dance is called Vamos a volar. It's choreographed by Tessa Johnson. It's a 32 count four wall improver level line dance. So there's no tags in this dance, but there's two restarts on wall two and also on wall six. You do the first 16 counts and you do a restart. And each time you will be facing six o'clock when you do the restart. Okay, so let's start with section one we start with the right foot and we do two steps forward so right left then we do a forward lock step step lock step and we do a rocking chair so forward recover back recover so let's do section one with the counts seven eight one two three and four five six seven eight section two we start with the left and we do a quarter turn to the right. We do a step on the side and we hold at two and then we go behind, side, cross. So let's do only these steps of section two seven, eight, one, two, three, and four. Then you do a step on the side with the left and you will sway to the left and to the right. So left, right, and you do a chassis to the left. Side together, side for the seven and eight. So let's do the first two sections with the cats seven, eight, one, two, lock step, three and four, five, six, seven, eight, one, two, three and four, five, six, seven, and eight. Section three, we start with the right and we cross, rock, so cross, recover on the left. Then we do a chassis to the right, but we'll do a quarter turn to the right. So side together, and as we go forward with the right, quarter turn to the right, then one more quarter turn to the right. We do a step on the side with the left, side together, side, and then we go behind side for the seven, eight. So let's do section three with the counts. Seven, eight, one, two, three, and four. Five and six, seven, eight. So let's start from the top. Let's do the first three sections with the counts. Seven, eight, one, two lock, step, three, and four, five, six, seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight. One, two, three and four, five and six, seven, eight. Section four. We start with the right and you cross over the left, so cross, and you touch on the side with the left. Then you cross over the right and you touch on the side with the right. And then you cross over the left and you unwind half a turn to the left, keeping the weight on the left, and you do a kickball change starting with the right, so seven and eight. So let's do section four. Seven, eight. One, two, three four, five, six, seven, and eight. So these are the official steps in this on the step sheet. Okay? In the demo, I do a slightly easier way. So I do one, two, three, four. I go forward with the right foot and I, I do a half left turn pivot. So you go forward, recover, and you do the kickball change. But this is not the official version of the of the step sheet, okay? So one, two, three, four, five, six, seven, and eight, and then you start wall two, okay? So let's do the four sections, but with the with the easier steps, okay? Seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven and eight.

7 and 8, 1, two, three and 4, 5 and 6, 7, 8, 1, two, three, four, five, six, seven and 8. Okay, so next it's wall 2, but wall 2 you only do the first 16 counts and you do a restart. So let's do them together 7, 8, 1, two, three and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, Three and four, five, six, seven, and eight, and then you start from the top, restart. Okay, so on wall two and wall six, the same thing for the ending. So, if we do the official steps of section four, it's one, two, three, four, five, six, and you do a three quarter turn to the left instead of half a turn to the left. Okay, so if we do the, the easier steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Vamos à volar. Alors c'est une chorégraphie de Tessa Johnson. C'est une danse qui a 32 temps qu'on fait sur quatre murs de niveau débutant, intermédiaire. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tag, autrement dit. Par contre, il y a deux restarts sur le deuxième mur et aussi sur le sixième mur. On fait les 16 premiers temps et on fait un restart. Et dans les deux cas, on est face au mur arrière à 6 heures. Alors, on commence avec la première partie. On débute avec le pied droit. On fait deux pas de marche, donc droite, gauche. Et rendu ici, on fait un « lock step » en avant, croisé en avant et on fait le « rocking chair ». Donc, on va partir du pied gauche, on fait en avant, sur place, en arrière, sur place, « rocking chair ». Alors, si on fait la première partie avec les comptes, 7, 8, ça fait 1, 2 « step », 3 et 4, 5, 6, 7, 8, « rocking chair ». Deuxième partie, on va tourner un quart de tour à droite, on fait un pas de côté. 1, retenu 2, et rendissez un grip On va faire croise en arrière, côté, croise en avant. Donc, si on fait seulement les premiers pas de la deuxième partie, quart de tour à droite, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. Rendissez, on balance à gauche et à droite. Donc, on va faire un pas de côté, on fait côté sur place. En anglais, ils appellent ça souhait, donc souhait, souhait un petit déhanchement. Et on fait un chassé de côté. 7 et 8, chassé vers la gauche. Alors, si on combine première et deuxième partie, 7, 8, 1, 2 lock step, 3 et 4, rocking chair, 5, 6, 7, 8, quart de tour, 1, retenu 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième partie, on débute avec le pied droit et on va croiser en avant ce qu'on appelle en anglais cross rock, donc croiser sur place, pied gauche. On va faire un chassé vers la droite de côté, côté assemblé, mais rendu ici, quart de tour à droite avec le pied droit. Et on fait un autre quart de tour à droite en allant de côté avec le pied gauche. Donc, côté assemblé, côté. Rendu ici, croise en arrière de côté pour terminer la troisième partie. Alors, si on fait la troisième partie ensemble, 7, 8, ça fait 1, 2, chassé, 3 et 4, chassé, 5 et 6, croise en arrière, côté pour le 7-8. Alors, on va faire les trois premières parties avec les comptes. 7-8. 1, 2, lock, step, 3 et 4, rocking chair, 6, 7, 8. 1, retenu, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On croise, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Quatrième partie, la dernière partie. On débute avec le pied droit. On va en avant en croisant du, en avant du pied gauche. Donc, on fait croiser. On pointe de côté le pied gauche. Même chose en partant du pied gauche. Croiser. On pointe de côté. Et rendu ici le pas officiel. Ce n'est pas ce que j'ai fait dans la vidéo. Dans la vidéo, j'ai fait d'une façon plus facile. La version officielle, on croise en avant. On fait une vis. Donc, on croise 5. On pivote en laissant le poids sur le pied gauche. Suivi d'un kickball change, donc 7 et 8. Alors, si je fais la version officielle, pied droit, 7, 8. 1, 2, 3, 4, croisé, 5, 6, 7 et 8. Version officielle. La version que j'ai faite dans la démo, c'est plus facile, j'ai pivoté dans le fond en avançant le pied droit un demi-tour à gauche. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est plus facile de cette façon-là, mais la façon officielle, c'est la vis. Okay? Alors, si on fait les quatre parties avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1, retenu 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3, version facile, 5, 6, 7 et 8. Et on reprend du début sur le deuxième mur. Mais justement, sur le deuxième mur, on fait seulement les 16 premiers temps et on fait un « restart ». Alors, on va le faire ensemble. 7, 8, 1, 2 « lock step », 3 et 4 « rocking chair », 6, 7, 8, 1, retenu 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et on repart du début « restart ». On repart avec la première partie. Okay? Alors, même chose, le sixième mur. Encore une fois, le sixième mur, on va être face au mur de droite à trois heures. On fait les 16 premiers temps et on fait un restart. Okay? Alors, pour la finale, on fait la quatrième partie face au mur de gauche en avant. Alors, si on fait la version avec la, la vis, ça va donner la chose suivante. Donc, on fait un, deux, trois, quatre. On fait la vis, mais on va faire un trois quarts de tour à, à gauche. Donc, on fait, on croise et on revient face au mur en avant. Alors, si je fais la, la version officielle, 7, 8, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient ici pour la finale. Alors, si je fais la version plus facile, c'est un petit peu différent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait un pas de côté et on met les mains de chaque côté. Alors, merci beaucoup et bonne danse.